Salut à tous, c'est Fredo pour TuxenVap. Vous savez Fredo, l'archénologiste élitiste, ça c'est pour une personne qui se reconnaîtra. Bref, rentrant dans le cœur du truc astuce, j'ai été contacté parce qu'on m'a demandé comment gérer les multibureaux sous l'XDE. Donc par extension sur Manjaro et l'XDE. Comme TuxenVap en propose une, je vous montre un petit truc. C'est pas super évident parce que la personne se disait le problème, chaque fois je scroll avec la souris, avec la roue de la souris, boum, ça me fait changer d'écran, c'est chiant. Donc je vais vous montrer le truc pour contourner ce petit problème. Voilà donc, notre TuxenVap démarre, Manjaro TuxenVap. Ça sera vrai avec tout Manjaro proposant l'XDE ou tout le système proposant l'XDE. Pour l'XQT, je ne peux pas me prononcer étant donné que ce n'est pas un environnement qui me parle vraiment. De par son incompétition, bref, ne rentrons pas dans les polémiques, restons pratiques. Donc là, je me connecte. Voilà, donc nous avons le fond d'écran, et ce qu'on peut constater, si on scrolle sous le fond d'écran, on change de bureau. C'est un peu ennuyeux, bon, il y a deux bureaux virtuels. Donc je vais montrer comment mettre un ou X bureau virtuel. C'est très simple, enfin, quand on a cherché bien sûr, il faut rajouter un logiciel qui s'appelle OBconf ou OpenBox Configurator. Donc, on va dans ce petit système, ajouter ce premier logiciel, on cherche OBconf, voilà, et on l'installe. Si je me trompe de bouton, ça va le faire, voilà. Donc là, ça va installer un outil qui va permettre de régler certains paramètres qui ne sont pas réglables directement dans l'XDE. Ensuite, on va dans Outils Système, non, c'est dans Préférences, voilà, Préférences OpenBox Configuration Manager, alias OBconf. Et on va sur cette ligne-là. On va sur la ligne Bureau. Voilà, donc voilà, vous constatez, on peut afficher, par exemple, je vais mettre jusqu'à 10 bureaux. Ça fait beaucoup, ou un seul. Et là, j'ai beau scroller sur la souris, vous l'entendez, je ne change pas de fond d'écran. Voilà, donc si vous avez des problèmes avec le multi-écran et que vous ne voulez pas vous prendre la tête avec le changement d'écran un peu abrasif, que vous pouvez vous surprendre, donc il faut passer par OBconf, préférence OpenBox Configuration Manager, parce qu'il faut le rappeler, l'XDE est une base, se base sur OBconf, enfin sur OpenBox. Et voilà, après on peut modifier le nombre, vous pouvez aussi la souris, voilà. Vous pouvez régler quelques petits trucs supplémentaires, mais c'est surtout ce point-là qui vous permettra de vous sauver la mise. Voilà, le point bureau. Vous pourrez mettre 100 bureaux, mais ça peut beaucoup, ou un seul. Voilà! J'étais à la Manjaro TuxenVap, j'étais à la XDE. Voilà, c'est une minuscule vidéo truc astuce. Fredo, l'arch-linuxianististe, vous dit à la prochaine. Allez, ciao!